et l'écrire, vous allez l'écouter, hein. Eddy, toi, mon fidèle ami, grand prince de la Béhérie, très longtemps on te pleurera, longtemps on te regrettera, car en quittant la Béhérie, tu ne laisses aucun ennemi. Seulement quelques amis chers. Vos gueules, merde! Malheureux, triste et amer. Eddy, pourquoi es-tu parti là-bas si loin vers le midi? Eddy, pourquoi es-tu parti en laissant ton vieux pote Titi? C'est grand, non? Allez, gauche, gauche, droite! Ouais. Top! Ouais. Salut les baltringues! Ouais. Salut, Brunel! Il y a des mauvaises langues qui racontent que tu fricotes avec les journaleux, t'es au courant? Tu sais quoi? Ceux qui parlent dans mon dos, mon cul les regarde. Tu les regardes? Oh. Combien t'as pris pour vendre ta gerbe à ces enculés? J'ai rien pris, putain, arrête! Les flics. C'est une famille, Jumbo. On trahit pas la famille. Le rapport d'analyse dans l'affaire Rosenberg, t'en es où? Mais tu l'as eu, mon rapport, qu'est-ce que tu me fais chier? Je suis pas de zop, je te dis. Me prends pas pour un con. Je t'ai foutu dans ton casier. Demande à Schneider, elle était avec moi. L'enculé. C'était quelle heure quand tu t'es endormi? Je ne sais pas. Y a pas de réveil dans ta cellule? N'en est pas l'utilité. Et lui, il dormait déjà quand tu t'es couché? Il pleurait. Et tu l'as laissé pleurer? C'est la règle entre détenus. Et ensuite? Je me suis allongé, j'ai fermé les yeux et j'ai prié. En attendant de trouver le sommeil. Tu t'es pas dit qu'il allait peut-être faire une connerie? Si tous ceux qui pleurent ici devaient se crever. Il n'y aurait que des couloirs et des cellules vides. Tu savais pourtant qu'il était dépressif, non? Je ne suis pas médecin. Et en pleine nuit, il est descendu de son lit, il s'est pendu, et toi, t'as rien entendu. C'est à cause des médicaments. Il est suivi depuis des années par le département psychiatrique, avec un traitement très éprouvant. Ok, c'est bon. Vous pouvez le ramener. Conduisez-le à l'infirmerie. Qu'il se remette de son choc. Votre avis? C'est le vôtre qui compte, pas le mien. Pas de traces de lutte. Pas de marques suspectes sur le corps. Pas d'antécédents entre les détenus. Victime en état dépressif. Pour moi, c'est carré. Suicide. Je transmets au parquet. Vous me dire pourquoi Elias accepte ce combat? Mathias me doit beaucoup d'argent, et comme Elias doit beaucoup aussi à Mathias... En plus, Elias a défoncé tous ses sparring. Il n'y a personne pour préparer son prochain combat. Alors un boxeur sur le retour qui a tout à prouver, c'est une aubaine pour lui. Un sac de frappe vivant. Qu'est-ce que j'ai à y gagner, moi? Un futur. Si tu fais un beau combat, il nous aidera pour te faire avoir une licence. Si tu gagnes, par contre, tu deviendras un outsider incontournable. Si tu continues à me faire confiance, si on est comme ça, tous les deux, on peut aller très loin, au bout du monde. T'as le droit à ça, t'as le droit à tout. T'as la force. La volonté. Faut juste te canaliser. Moi, je suis là pour ça, juste pour toi, faut me croire. Ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est partager, en faire profiter quelqu'un. Là où j'en suis au sommet, je suis tout seul, que des larbins autour qui ferment leur gueule. Avec toi, c'est différent. Je vais faire ça aujourd'hui.
Vivre la vie de champion. Le Japon, c'est ça qu'il faut viser, faut tenir. J'ai pas arrêté de t'appeler hier. Pourquoi tu m'as pas répondu? J'étais avec Virginie. Tu as sauté? Non, parle pas comme ça. Je respecte. Quoi? Je la respecte. Je voulais te dire, les petits extras de Virginie, c'est terminé. On est d'accord? C'était pas prévu. C'était pas prévu. Moïse, il n'est pas question que Virginie nous pourrisse la vie, là. T'entends? Et démerde-toi! Amène-moi cette connasse à 15h demain en bas de chez moi! 1, 2, 3! Les bougies. Oui, ça, c'est vrai que c'est très bien. Oulala! Bon anniversaire. Le cadeau, le cadeau. C'est un échiquier électronique. Je vais bien, mais pourquoi faire? Pour jouer aux échecs, sans doute. Je sais pas jouer à ça, moi. Bah, tu peux apprendre. En plus, il paraît que ça rend intelligent. Oui, très drôle. Tu sais y jouer, toi? Non. Bon, bah, ça va. Bon, ça va. Je me disais que ça changerait un peu du jaquet. Avec qui tu veux que je me mette à jouer aux échecs? Bah, je sais pas. Avec moi? Ou même tout seul, si tu veux. C'est l'avantage de ce jeu. Tu peux y jouer tout seul. Tout seul? Bah oui, c'est comme un petit ordinateur avec un gros cerveau. Bon, allez, on mange le gâteau. Donne-moi ça. Moi, ton assiette. Merci, Hélène. Allez. Je ne l'ai pas acheté trop cher, quand même. Non. Champagne. Et les coupes pour le champagne? Ah oui, les coupes pour le champagne. Le sanglier, où le sanglier? Il n'est pas là, le sanglier. Buzz Noé! Putain! Buzz Noé! Mais si, je les ai eus à la radio. Ils vont venir nous chercher. Comment tu peux encore leur faire confiance? Ils prendront jamais le risque. Ils nous achèveront comme des chiens. Ah, t'as pas de douleur abdominale? Pas de vertige? Des nausées? Ça tire un peu, mais c'est supportable. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Sonia? La plaie entièrement cicatrisée. C'est pas une bonne nouvelle. J'en ai fait plein la gueule. J'en ai sûrement avalé. Non, le virus se transmet pas comme ça. Viens. Il y a l'hélico qui va revenir nous chercher. Faut signaler notre présence ici.
J'en étais pas sûre. Combien de temps il me reste, Sonia? Le virus doit sûrement être au stade végétatif. Combien? Trois jours? Peut-être moins. Les militaires vont forcément venir nous chercher. Une fois là-bas, on pourra te soigner. D'accord. Faut que tu t'accroches, Marco. Laisse pas devenir une de ces choses. Je t'en supplie. Tu peux pas me demander ça. Arrête.